Haïti.com, nous comptons rejoindre nous encore une fois dans une nouvelle vidéo ça que nous portons pour vous sous actualité dans le pays d'Haïti. Vidéo ça, mesdames et messieurs, faut que nous disions, il date, eh bien, c'est premier calotte marassa, premier gros coup, Réginal Boulos que monsieur prend. Eh bien, mesdames et messieurs, dans le gros business lié, gros entreprise lié en Haïti. Mais depuis calotte ça, Réginal Boulos, tout quitte le pays, monsieur retire l'école, monsieur pas jamais mettre pied le côté comme ça qui pote non Haïti a parce que monsieur estime, bagay yo pas trop douce pour lui. Non seulement, gen moun qui t'a cité non l'an, dossier l'an moi jovenel, et gen l'autre qui fait qu'on est monsieur, qu'on pousse nek jenef yo, et bien si bagay nan me yo, pour yo ka mette pays à chaud pour faire l'argent. Gen moun qui même fait quoi que, et bien jou qui te 19 mars 2021, à bien côté business Réginal Boulos yo te nèg exam te envahi crase volé machine volé moto. Gen moun même qui fait quoi que c'est complot nèg yo yon façon pour te ka jwenn yon raison pour cause li retire kòl nan pays sa. Nous konn Réginal Boulos, monsieur c'est propriétaire Delimat, monsieur c'est maître et bien divers gros entreprises dans pays ya. Et bien mesdames et messieurs, fois ça tonton Réginal Boulos, monsieur qui te pays ya, monsieur la gepiel, monsieur pas jamais mette piel Haïti encore. Eh ben, nous pral invite ou tande déclaration sa que tu as fait depuis le sa, en pile moun te senti, eh ben, compère Réginal Boulos, monsieur pral quitte pays ya, parce que, farine n'a pas vini dans même sac. Et pas oublier ou sou TV la kay Haïti.com, nous là pour nous rappeler, nous là pour nous, eh ben, porter tout ça qui passe pour vous dans le pays ça, parce que, donc, faut que nous informer et faut que nous former tout en même temps. Et c'est tvlacayhaiti.com. Donc, c'est devoir nous travailler, nous. C'est objectif là, ça. C'est pour te toute information pour en temps de Réginal Boulos. Mais qui dit même, te fait déclaration choc, ça, yo. L'air que n'est qu'à te attaquer Boulos, n'a tourné. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et même d'abord, pour me saluer tout le monde dans la classe politique là. Et dans la société civile qui exprimait solidarité devant ça que fait à un leader politique pareil à business. Je dis nous, ensemble, nous allons continuer le combat. Un combat, c'est un combat. Sans mignon, depuis que la réforme dans la bataille politique là, pour me continuer, ça me fait en privé, l'un de construire l'école Cité Soleil, l'hôpital Sainte-Catherine Cité Soleil, l'hôpital Wanamet, l'hôpital Faux Liberté, Sainte Santé, la Fossette Cité L'Espo, Sainte Santé Raboto, Sainte Santé Catholeil. Mais dès qu'on est, c'est vivre qui est en danger et c'est bien qui est en danger. Là, nous gardons. Sous Zilea, il y a deux pays. Yon kote moun a vivre bien en ville. Et moun kote moun a vivre très mal. Nous disons, nous sommes capables de vivre bien tout. Dès que vous faites ça, dès que vous décidez, vous voulez changer la bagaille. Gros mafia qui campe en face. Ou mafia qui est dans la politique. Quand moi j'ai propre pays. Ville riche, millionnaire. Dormi pauvre, levé riche. Et puis, à parler de oligarque, il n'y a pas parlé de oligarque politique. Mafia qui est dans le secteur privé, qui a mangé dans la corruption, qui a mangé dans la contrebande, qui a volé la douane. Nous te connaissons, nous mettons vie en danger. Nous te connaissons, nous mettons bien nous en danger. Parce que tout a reproché dans le secteur privé qui n'a pas rentré à ses fonds dans la politique pour changer les conditions du peuple. C'est parce que eux-mêmes, ils perdent. Ils perdent parce qu'ils ont bien, ils ont des bagages qui investissent dans le pays. Mais dès qu'en face, qui besoin dans l'État ou bien riche, ils n'ont pas beaucoup de monde qui investit dans le pays. Dormi pauvre, levé riche.
Mais nous-mêmes, tout bien nous dans le pays. Nous n'avons pas de 6 millions de dollars là-bas. Nous n'avons pas de business là-bas. Nous n'avons pas de compte en banque là-bas. Nous n'avons pas de rien en bord. Tout bien nous ici. Si nous n'avons pas de universal pour cause, nous n'avons pas de vendre pour nous. Mais nous n'avons pas de faire chez nous. Tant qu'on nous toujours dit, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas de peur. Nous tous connaissons Josia. Ce n'est pas manifestant qui a attaqué Universal Motors. Ce n'est pas peuple qui a attaqué Universal Motors. C'est un petit groupe bandit qui vient pour ça. Qui vient avec, sans automatique, fatal molotov. Je vois un danger en 10 minutes. Employé en danger, client en danger, business en duveux. Je serai à grand mieux Josia qui vient attaquer nous. Employé blessé. Employé pour un coup, je cherche à kidnapper, je n'ai pas pire ancien employé Nissan, même si tu as à côté de là. Depuis 86, tu es dans Nissan. Je vais dire que tu es dit à coup parce que tu as cherché à défendre. Je suis blessé, tu es employé nous, tu es dans des chaînes, je suis sorti là derrière nous, tu es échappé. Pendant que tu as bandiné en dedans. À saluer, courage tout employé. À dire merci. Courage, Martino. Moi, je m'aime. Moi, je m'aime en pile. Moi, je ne pas plaquer nous. Pendant notre travail, pendant notre travail, on va être si reste de maintenant. Si reste employé, tu as perdu le job en 2018. On te cap joindre deux jeunes travail, les noirs ouvrir dans ma 32 dans 3 mois. Yo vin sorti là, yo mette 200 employés Universal Motors en chômage. Et même pas prendre chômage. M'a dit yo, nous pas comme combien de jours Universal Motors a pas pour l'ouvrir. Même qu'on est pas bon employé, qu'a fait mon jour de travail. Ici, je parle avec nous, j'ai danger. J'ai danger. Sorti 2011, vivez 2021. Est-ce que nous vivons plus bien aujourd'hui? Non. Est-ce que nous mangeons plus bien aujourd'hui? Non. Est-ce que nous vivons à l'hôpital aujourd'hui? Non. Est-ce que nous vivons à l'école aujourd'hui? Non. Non, nous ne pas gagner. Même dis-nous encore, nous ne pas faire, nous ne pas jamais faire. Nous pas faire, nous pas jamais faire. Nous pas faire, nous pas jamais faire. Tenez bien, papa ici. C'est serviable, serviable, boulos que vous distrait nous. C'est diversion y a fait. Boulos pas important, je dis. Mais craser constitution important. Faire des élections important. Distribuer même quand même à l'ordre là, deux fois, trois fois, quatre fois, important. C'est ça la pour mes compris. Mais le besoin discret nous, pour l'autre pas important, ni ça n'est pas important. Nous ne pouvons pas quitter ou changer le débat. Débat pas sous boulot. Débat c'est sous faux élection. Il a préparé pour qu'il y ait pouvoir pour l'autre 5 ans pour qu'on continue à piller le pays. Débat c'est sous mafia politique. À quelques nègres dans le secteur privé qui sont dit pour manger le pays, qui est le pays en otage. C'est ça le débat. Peuple haïtien, je parle avec nous. Je parle avec nous, peuple haïtien. Gardez bien qui nous fait nous bien, qui nous fait nous mal. Gardez bien qui nous travaille pour payer nous. Et moi-même, j'ai une détermination aujourd'hui. Je pense que je vais me coucher dans la cabane, tête fait mal, après valeur, après calme. Même quand je suis là, pigeon. À tout employé. À tout militaire TV, militaire TV, rendez-vous. Ils n'ont pas cassé l'an. Parce que Boulos à pouvoir, c'est deux projets différents. Boulos à pouvoir, c'est deux projets différents. Boulos à pouvoir, c'est deux projets différents. Projet à pouvoir, c'est contrebande. Gaspillage est sous l'État. Corruption dans tout l'État. Dormi pauvre, lever riche.
projet sa achita sous coup de gang, mafia dans le secteur privé, à politiciens sans vision, oligarque politique. Nous aimons voir oligarque politique, oligarque politique. Pour nous t'abri projet ça, pour nous t'abri projet ça, pitié. Je prépare un référendum de constitution, pour nous avoir le pouvoir tout le temps, à toute infinité. Pour nous capable faire 10 passes coûte, 10 passes non. Même si le président de facto a dit, quelle que soit l'élection faite, la PL, il prend pouvoir pour 25 ans. C'est ça, je te dis, ta race. L'heure est à danser pendant que le peuple a mouru dans la cité soleil. Le projet pouvoir, c'est le projet 4 thèmes à l'homme là. 4 thèmes à l'homme là, caille. Pour une élection piquée-collée, tout le monde c'est d'eau. Projet pouvoir, pas qu'à tolérer. Une force police autonome. C'est plutôt bandit préféré ramasser. Et le policier mourit dans mes bandits, il y a plutôt à chercher char. Passer à chercher comme policier qui m'ont eu pour nous. Projet régional pour l'OSTA, projet MDV Haïtien, c'est d'abord créer un parti politique moderne. Côté femmes et garçons, jeunes, paysans, étudiants, haïtiens tout partout, qui ont une bonne vision, courage, compétence pour nous bâtir leur pays. Travail, éducation, sécurité. Travail, éducation, sécurité. Travail, éducation, sécurité. C'est un projet qui va chita sous un flot slogan. L'argent en poche. L'argent en poche. Manger dans la main. L'argent c'est en poche, le bébé. Il va rejoindre le peuple là. Pas de secret dans ce cours-là. Dans le côté proche en sécurité. Pour les touristes capables de porter dollars dans le pays. Pour ne pas continuer à voler dollars malheureux, prendre la 75 gouttes pour la réacheter à 100 gouttes. Dans le côté sécurité, pour les factories qui travaillent plus bien, pour les ouvriers qui travaillent plus bien, dans plus bonnes conditions. Parce que les ouvriers, je dis, leur toucher 440 gouttes, leur entrer dans la carrière après-midi, c'est 118 gouttes dans le travail. Leur film dépensé. Faut transport matin, faut transport après-midi, faut manger matin, faut manger après-midi, faut bonheur, faut taxe, je vole pour vous. Projet MTV, c'est empêcher de bandit toute qualité en gravé. Mais nous avons quand même dit aujourd'hui à l'ancien Nabdi. Nous ne pas habiter aux bons armes d'éducation dans nous. Nous ne pas habiter aux bons armes d'éducation dans nous. Nous ne pas habiter aux travail, pour que nous fiers de ça à faire. Bandi, déposez les armes nous. Le MTV vini, le MTV arrive au pouvoir. La bonne chance pour nous réinsérer. Parce que même réinsertion, c'est pour qu'on ait plus bandit, bon plus d'armes. Réinsertion par nous, c'est pour formation professionnelle, bon crédit, pour capable de tourner nos vrais citoyens. Pour commencer, tracer route pour un projet comme ça. Faut que nous tournions contre toute dictature à pouvoir personnel. Ce n'est pas facile. Mais nous prenons engagement pour accompagner le peuple. Ce n'est pas facile. Mais nous prenons engagement pour accompagner les Haïtiens. Ensemble avec tous les leaders conséquents, leaders sérieux, ça ne peut pas déborder pendant qu'on accorde. Vous comprenez de qui ça m'a parlé. Pour faire la bataille pour changer la vie. C'est travail dans dignité pour nous-mêmes. Et travail dans dignité, c'est remettre corruption et insécurité. Pas dans rien pour faire une campagne libre. Je vais faire pour les Haïtiens. Je vais continuer pour nous, pour nous faire jeune l'école, la santé, l'agriculture, la formation professionnelle. L'élite presque un jour fait plus noir. L'élite presque un jour fait plus noir. Jour après ce qui est arrivé, prends courage.
Peuple haïtien, prends courage. Qu'est-ce que fait? Victoire, c'est pour le monde qui croit en bataille. Victoire, c'est pour le monde qui croit en bataille. Victoire, c'est pour le monde qui croit en bataille. Moi, je fais déjà. Moi, je fais dans la cité soleil. La photo, au cas soleil, on a même pas l'idée au cas. Moi, je compte comment on fait. Et je vais faire encore. Avant de finir, je salue le monde de la cité au cas. Qui te ramasse en plein et nous, qui mettez en sécurité, en bas à vous. Merci. Vous êtes bon voisin, vous êtes bon voisinage. Et ma vieux tout, vous êtes bon voisin, vous êtes bon voisinage. Hier, je passe à le saluer, kayakai, dans tout tout là. Et je vous dis, la peine qui est dans les yeux, mais aussi l'espoir que vous avez à Haïti pour des boulots. Si c'est tape pour moi, pour faire apparition de libération, vous faites commencer par ça. Si c'est ça pour moi, pour faire apparition de libération, vous faites commencer par ça. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. C'est le travail que nous avons fait. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. C'est le travail que nous avons fait. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. C'est le travail que nous avons fait. Nous combattons, aider au combat. Nous combattons, nous combattons, nous combattons, nous combattons, nous l'autre calcul, vive le devient Haïti, vive Haïti. On a posé 5 questions, on va poser des questions, on dit dans qui vous voyez, et puis poser des questions, on appelle à la discipline. Donc, madame Nasséli, qui a pris la parole, levez maintenant et puis la parole. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Rochard qui est désolé de la même période à ici. Nous allons vous demander, est-ce que nous évaluons ce concept déjà en termes de bilan pour ne pas avoir des gars? Question là, c'est au bilan déjà. Est-ce que mon évaluation qui fait le bilan qui fait déjà? Même dans la partielle. Ok, on va répondre. Dans 48 heures sur le passé, ça qui est important pour moi, c'est d'assurer que mon moral employé est en forme. C'est d'assurer que mon qui souffrit pendant quelques heures de temps, quand on connaît, les employés qui ont envoyé des familles au travail, tellement ils connaissent, ils ne sont pas sortis là. Ils cachent un côté, ils ont dit l'autre, fait silence, pendant que Dieu a cherché eux. C'est ça qui est important pour nous. Je dis, après conférence de presse là, nous allons commencer pour faire évaluation. Nous allons faire deux plans. Le plan pour nous ouvrir rapidement avec 100 capables. Et puis le plan pour nous reconstruire. Samuel Léa, Sabanti Bouléa, qui était construit en 2018, et que le vice-président Nissan t'a dit, c'est plus belle showroom Nissan dans toute Caraïbe, nous reconstruire même gens. Même dans le Mat Tessine, même dans le Mat Tujo, même dans le Mat 32. Bon, qui t'a dit, il faut qu'il y ait un gorge tout. Mais il faut qu'il y ait un gorge de tout. Je dis bonjour, c'est le relais en travail de Stock. Docteur Boulos, je considère comme un entrepreneur qui a plus travaillé dans le pays. Et je vois qu'à chaque fois, les situations sont là, on sait qu'on s'y va victime. On dit au combat avec le combat, la misère noire, ça, que les Haïtiens, je veux dire, jusqu'à côté, on prêt pour aller au pays d'Haïti. J'ai 65 ans, j'ai décidé de dire reste vivre, à pays d'Haïti. Ma privée, jusqu'à côté mon Dieu, mais avec mon rivière. Si on veut mon frère normalement, si on veut Grégory Saint-Hilaire, si on veut Vladimir Le Gallien, si on veut Evelyne Saint-Serre, c'est mon Dieu qui a décidé ça. Et moi, ouais, dans le destin pays, dans le destin de chaque grand haïtien là, c'est bon Dieu qu'on aime, mais quoi, bien la foi, et c'est ça mon Dieu, je vais faire aujourd'hui, ma ferme.